Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudo, créateur de la Zorba autour de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repenti le mal sur terre. Rachel Bakakakaka. Feu! Double feu! Instrumental! Conga, Conga! Kalissa, où sont passés les guitaristes? Ngo Solo, laisse-moi la guitare! Allô? Allô? Mon frère, oh pardon, pardon. Je t'ai dit que je n'ai plus rien à traiter avec toi. Mais tu contrôles mon argent pourquoi? Bon, ta caisse, ce n'est pas ma caisse. Ma caisse, ce n'est pas ta caisse. Pardon. J'ai ta part là-bas, j'ai déjà géré ma part. Okay. C'est vrai, moins bien là. C'est même quel pays ça? On te dit que pour avoir un terrain, il faut aller au cadastre. Tu peux au cadastre, tu achètes un terrain. Un beau matin, on te sort un titre foncier que tu ne connais pas d'où ça sort. Vous voilà au parquet depuis plus de 7 mois. J'ai un terrain qui est versé l'argent, j'ai le titre en main. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez un problème de terrain? Mon frère, laisse. Comme tu vois là, les affaires du pays ici. Oui. Je ne connais pas ce qui se passe. Il y a de cela 3 ans que j'ai acheté un terrain. Ça fait 7 mois que je suis allé pour lancer les travaux. Un monsieur est sorti de nulle part avec un autre titre foncier. Et depuis 7 mois là, nous sommes au parquet. On ne parvient pas à dire qui d'entre nous a le faux titre foncier. Aujourd'hui, on était encore là pensant qu'on devait même trancher le problème. On a encore renvoyé. Mon frère, le cadastre que tu vois là a un problème. Au cadastre suivant, tu as un litige foncier. Vous partez au tribunal, tu gagnes. La grosse sort. C'est-à-dire qu'il y a même la lettre de... Oh là là. En fait, la lettre qui empêche l'autre de venir encore revendiquer sur le même terrain. Quand la lettre sort. Maintenant, au niveau du cadastre, il faut qu'on actualise pour dire que le terrain-ci a été litigeux et que désormais, ce n'est plus le numéro de ce titre foncier qui a le pouvoir sur le terrain. Quand on n'actualise pas, tu te retrouves en difficulté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le vrai problème. Mais le problème avec vous aussi, c'est que... C'est-à-dire, tu peux voir que quand il meurt d'une maladie, alors que le comprimé est là. Hein. Quand pour moi, aujourd'hui, le corona, on comprend que bon, corona, même le vaccin, on dit que ça n'aide pas véritablement. Il n'y a pas de comprimé. Mais tu meurs d'une maladie alors que la personne qui peut même t'aider est à côté. Tu me vois pas ici tout le temps. Tu m'as aimé. Moi, je t'ai vu ici plusieurs fois. Mais moi, je fais dans le terrain. Ah bon? Mon petit nom, c'est titre foncier original. Mon nom. Mon frère, qu'est-ce que tu peux faire alors pour m'aider? Non, parce que quand vous partez, vous aventurez dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je suis étonné. Mon nom, c'est titre foncier original. Les terrains et mon dialogue. On échange. Si je passe quelque part, un terrain, un problème, je connais. Vous savez le terrain là, c'est un terrain litigieux. Et la barrière pleure. Mais c'est un langage technique que tu ne peux pas comprendre parce que ça fait, c'est notre domaine. Et même les herbes qui grandissent sur le terrain, quand je vois rien que l'herbe, je dis que ça c'est un terrain que plusieurs personnes discutent ou c'est un terrain en bonne et due forme. Nous on parle avec le terrain. C'est le morcellement des gens. Hein. Dossier technique. Je fais que dans le terrain. Bon, si tu veux un terrain, j'ai un truc là, un truc bien, c'est-à-dire que c'est le chef même impliqué. Mm-hmm. Mais est-ce que tu es alors prêt? Comme tu es au tribunal, est-ce que tu peux gérer le tribunal et gérer encore? Tu peux? Si c'est un truc fiable, je prends. Mais quand tu me parles de fiabilité, tu te moques de moi. Je te parle d'un terrain avec l'implication du chef, des riverains. Alors, moi, je ne vends pas les terrains où après les gens sortent les machettes. Au lieu de ficher, les champs sont en train de se découper. Je ne fais pas ça. Mais ce sont 10 mm carrés. Là, la réaction. Ça que je crois qu'on vous frappe, qu'on vous vole. Mon frère, j'ai 30 000 francs. Voilà. Donc, tu pouvais acheter à 30 000 francs le mètre carré et aller compléter 40 000 au tribunal, c'est ça? Mon ami, moi, je ne fais pas dans ce genre de choses. Moi, quand je vends un truc, c'est sûr de chaussures.
Je ne fais pas les foutus qu'on fait là, je ne fais pas ça. Donc, ou tu prends chez moi, ou tu laisses. Bon, comme tu es en difficulté, peut-être ça 60 000. Donc, mon frère, tu ne peux rien faire pour ouais, moi. Ouais, mon frère, il se soigne à prendre ou à laisser. Mais, attends, tu vas voir le terrain, hein. C'est même pas que c'est moi. Je t'amène d'abord sur le chef. Le chef te parle d'abord, avant qu'on mette les pieds en brousse. Ok. Bon, tu sais aussi qu'il y a le droit de brousse, non? Mon frère, hé hey, papa, tu as vraiment acheté le terrain? Tu es sûr que tu as acheté le terrain, toi? Petite chose, mètre carré, tu discutes. Droit de brousse, tu discutes. Mais tu sais que j'ai des personnes qui ont acheté le terrain, qui ne connaissent pas que... Pourquoi on a été présenté un terrain au droit de brousse? Tu ne connais pas ça? Ce que je sais, c'est que je suis allé au cadastre. Le cadastre ne vend pas le terrain. Le cadastre te montre que non, le terrain ici est bon. Le terrain ici est conforme, tu peux l'acheter. Le terrain ici n'a aucun problème. Le certificat de propriété appartient à telle personne. Comment le terrain? 150 000 droits de brousse. Papa, pardon, prends 50 000. Ça, tu es un blagueur. Pardon, lève-toi, lève-toi. Non, non, vas-y, vas-y, va continuer ton problème au tribunal, peut-être tu peux gagner, vas-y. C'est la pitié du tribunal que tu es en train de faire. Donne-moi 100 000. Je n'ai pas de discussion à faire. Si tu veux faire le débat, tu te lèves, tu pars. Tu, regarde, renseigne-toi aux gens ici. Les terrains que j'ai vendus, même ceux qui avaient l'ambition de faire les maisons en planche, ont conçu en dur. Mes terrains portent bonheur, tu achètes un terrain, tes activités commencent à fleurir. Mon frère, excuse-moi, tu sais que la confiance n'exclut pas le contrôle. L'affaire de l'argent est souvent très compliquée. Bon, c'est ça. Tu as un homme de parole. Ça veut dire que le tribunal n'a pas fini. Hein? Demande qu'on me donne deux bières. Ouais, allons d'abord, tu montes le terrain. Demande qu'on me donne deux bières. Ce sont les règles pour le terrain. Tu crois que c'est... On a une tradition qu'on respecte. S'il vous plaît, servez deux bières, monsieur. Deux bières, même chose. Hein? Bon, bloqué au frigo. Je prends tout à l'heure. Assieds-toi. Un terrain que tu achètes pour habiter, tu es pressé, donc tu sais pas que tout ce qu'on obtient facilement devient un obstacle par la suite. Assieds-toi, dis donc. Tu achètes un pour vendre. Un endroit où tu vas habiter, ton cœur frappe, tu es pressé. Oh. Moi, j'aime pas travailler avec les clients comme ça. Hein. J'ai vendu le terrain au gouverneur, au préfet. Quel autorité ne me connaît pas? Renseigne-toi, titre foncier original, ici, dans la ville, qui ne me connaît pas? Je ne sais pas ça. Emane. Oui, Amoto. Ah. Non, et c'est l'imba de Tilambo, je suis toujours en brousse. Et n'a pas la voie, eh. Somme dita, il n'y a pas de problème. Otsia, mais ando, kassé la fond, quoi, poum. Natam, c'est quoi, eh. Hein? Bon, voilà. J'ai mon gars là. Oui, je voulais que tu l'amènes en brousse. Il est habillé, il a une chaussure qui regarde vers le sol. Je suis encore en brousse, il faut l'envoyer. Bon, bref, il a une veste, tu vas le voir avec une veste. Même lui-même, il ne détermine plus la couleur. Avec une chemise blanche et un chapeau blanc comme pour les veufs. Oui, tu... Banaloba, Banaloba. Je l'envoie en bas avec le marécage. Non, même pas le marécage. Tu présentes le plateau, là, tu présentes le plateau. Où le chef nous avait montré, la dernière fois, on a coupé le bois pour le charbon, là. Exactement où on a coupé les arbres là sur son terrain. Mbana, c'est bon. Je suis encore en brousse. Et Naboam. Non, non. Écoute. Il a fini avec moi. Hein. C'est bon, il a fini avec toi. Je suis là. Je l'attends. Oui, lui et moi, on est OK. Et Sonjita. Et Selemba, laisse comme ça. J'ai compris. Ha! L'histoire de terrain à Douala. Écoute, j'ai mon gars qui t'attend là-bas au carrefour. Tu vois, non? Ouais, mon frère, allons-y, tu me montres, non? Est-ce que je le connais? Donc, parce que tu m'as donné un petit 100 000, il faut maintenant qu'il commence à marcher derrière toi comme le chien. Attends, quand tu me regardes là, je suis un amateur. Ou bien tu vas venir m'apprendre mon travail. Mon ami, mon travail est très bien organisé. Ne crois pas que les gens avec qui tu traites là, que c'est encore avec. Non, fais très attention avec moi. C'est quelle façon là? Donc, j'ai les collaborateurs, ils ne peuvent pas travailler parce que tu m'as donné un petit 100 000. C'est ça? Est-ce que toi, tu prends l'argent, tu. Bon, si depuis le matin j'ai pas été seulement présenté les théories, tu m'as trouvé ici. Moi, je n'aime même pas moi ce genre de bon. Au lieu que je passe une. Laisse, je vais l'appeler pour lui dire que c'est bon. Papa. Prends alors. Non, parce que tu me donnes 100 000, tu réagis comme ça. Imagine quand tu as versé l'ample au terrain. Ça va.
Tu as payé les deux billets là, non? Je viens payer, non? Mais tu viens encore seulement comment? Ouais, fais-moi aussi confiance, non? Je viens. Tout droit comme je t'ai dit, c'est à 500 mètres. On vous voit en route, on ne peut pas savoir que 10 francs vous avez dans la poche. Mais dès qu'on parle du terrain, où vous cultivez seulement là dans la poche, vous qui savez. On ne voit pas ça sur toi, mais dans ta poche, il y a. Amoto, et Selembaye. Salut mon frère. Ah, salut mon frère. C'est vous que Tito Foncier original a envoyé? Par rapport à? Mais pour le terrain. Ah oui. Salut mon frère. C'est comment? Ça va papa, okay. Ça va. Oui, il a demandé que je vienne te voir pour que tu montres le terrain où vous étiez avec le chef l'autre jour. Au niveau de la plateforme. La forêt ou bien? Non, la plateforme, le plateau. Ah, voilà la forêt. Ouais, je dis papa, c'est quoi non? Dis-moi ce qu'il faut. Il vous a pas expliqué les modalités? Non, j'ai fini déjà avec lui. Mais c'est là mon problème. Ouais papa, le problème c'est quoi? Tu lui as demandé que je vienne juste te voir pour que tu ailles me montrer le terrain. Quand l'heure tu me trouves en brousse, je monte la bonne à 10 000. Hein. Pour toi encore, il peut prendre 5 000. Et a pris les frais de brousse. Voilà la forêt, tu peux entrer. Vas-y, non? Papa, aide-moi, non? Oh! Bada et Mouna Titi Lambo et Selemba. Ça va? Merde. Si que vraiment, l'affaire de terrain ici à Douala, non? Oui! C'est 20 000. Voilà 10 000, non? Oui, mon ami, j'ai dit c'est 20 000. Ne me paye pas le temps. Une bonne, c'est 5 000. 4 bonnes, ça fait 20 000. Voilà, c'est bien. Tu vas travailler avec quoi? C'est m'en vais travailler. Il a dit que tu me montres juste les limites, non? Dis-moi la bosse, dis-moi la bosse.